Madame Potrouche elle-même. Entrez, je vous en prie. Merci. Je suis désolée de vous déranger une heure aussi tardive. Aucun problème. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Je ne vais pas vous déranger longtemps. Je suis juste venue clarifier un petit détail concernant mon fils, Eliaou Marcus. Vous l'avez comme élève. Vous êtes la mère d'Eliaou Marcus? Enchantée. Eliaou est un excellent élève. Merci. Le problème, c'est que depuis un certain temps, il rentre à la maison et me raconte des choses auxquelles j'ai un peu de mal à croire. Eliaou? Mais c'est un élève tellement... C'est bien pour ça. Moi aussi, au début, quand il a commencé à me débiter ses élucubrations, j'étais très étonnée. Je n'ose même pas vous les répéter. Ça va sans doute vous faire rire. Tenez, par exemple, l'autre jour, il est revenu de l'école et m'a soutenue, dur comme fer, qu'en cours de géographie, vous leur avez dit, vous, Madame Potrouche, que la Terre était plate. C'est drôle, non? C'est-à-dire, c'est drôle qu'un enfant soit capable d'affabuler à ce point. Enfin, quoi qu'il en soit, cela ne doit pas être vous qui leur avez dit une chose pareille. Si, c'est moi. Pardon? C'est de l'humour. Pourquoi de l'humour? Pourquoi de l'humour? C'est-à-dire que vous leur avez effectivement dit que la Terre était plate? Oui. Oui. Ah, excusez-moi, mais nous savons tous que la Terre est ronde. Nous savons tous? Qui ça? Tous. Moi, par exemple, je ne le sais pas. Parfaitement. Et permettez-moi de vous poser une question simple. Si la Terre est ronde, comment se fait-il que les gens qui vivent de l'autre côté, qui marchent à la tête en bas et les pieds en haut, ne tombent pas dans le ciel? Enfin, n'importe quel gamin sait que le haut et le bas sont des concepts relatifs. Mais enfin, n'importe quel gamin sait que le haut et le bas sont des concepts relatifs. Relatifs. Des concepts relatifs. Qu'est-ce que c'est des concepts relatifs? Madame Marcus, pourquoi employer des mots compliqués sans réfléchir? Moi, je pose une question simple. Comment les gens peuvent-ils marcher la tête en bas et les pieds en l'air sans tomber? Et vous? Vous me répondez par des concepts relatifs. Mais enfin, vous croyez que j'ai un petit poil à la place de la cervelle? C'est la force de gravitation universelle. Vous êtes en train de vous égarer dans vos concepts relatifs, Madame Marcus. Très bien. Mais alors, si je puis m'y permettre, Madame Potrouche, comment expliquez-vous, vous, que les gens qui vivent en Australie ne tombent pas dans le ciel? C'est très simple, la Terre est plate. Alors si je comprends bien, mon fils n'a rien inventé du tout. Eliaou, certainement pas. Eliaou est un élève sérieux et intelligent. Que faire? Moi je n'ai pas du tout l'impression de vivre sur une boule. Désolée. Mais entre nous, Madame Marcus, qu'en vous dites? Les gens qui vivent en Australie. Avez-vous déjà vu l'Australie? Non. Avez-vous une preuve de l'existence de l'Australie? Une preuve de l'existence de l'Australie? Oui, vous m'avez bien entendu. Êtes-vous sûr que ça existe, l'Australie? Car, en y réfléchissant bien, qui attire notre attention sur l'Australie? Qui édite les cartes géographiques d'Australie? Qui nous informe sur ce qui se passe en Australie? Bref, qui essaye de nous convaincre qu'un pays tel que l'Australie existe? L'ambassade d'Australie! Comment voulez-vous qu'ils soient objectifs, ceux-là? Puisqu'ils sont australiens. Tout de même, si je puis me permettre, Madame Potrouche, bon, en ce qui concerne la Terre, j'avoue qu'il y a quelque chose dans ce que vous dites. Mais pour l'Australie, franchement! Je n'affirme pas que l'Australie n'existe pas, Madame Marcus, mais je n'affirme pas non plus qu'elle existe. Je n'ai moi-même pas assez approfondi le sujet pour prendre position. C'est juste que gober tout ce qu'on raconte, ça je refuse. Madame Potrouche, il ne s'agit pas uniquement de cartes géographiques et de livres, mais des gens y sont allés. Où? En Australie. Comment savent-ils qu'ils y sont allés? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment savent-ils? Ils ont pris un avion pour l'Australie et ont débarqué en Australie. Et comment savaient-ils qu'ils étaient bien arrivés en Australie? C'est ce qu'on leur a dit. Exactement!
On leur a dit. Qui ça, on? Qui ça, on? Les Australiens! Exactement, exactement. Vous attendez-vous à ce que les Australiens leur disent autre chose? Mais est-ce parce qu'ils le disent que nous, on doit le croire? Quelqu'un débarque tout à coup et vous affirme qu'il est docteur. Cela suffit-il à faire de lui un grand chirurgien? Peut-être est-il simplement un porteur de brancard. D'ailleurs, ce nom d'Australie, Australien en anglais, moi, ça me fait plutôt penser à Austria. Et Austria, c'est quoi? Austria, c'est quoi? L'Autriche! L'Autriche! Bref, je me demande si l'Australie ne serait pas tout simplement une déformation de l'Autriche que personne... Allez savoir pourquoi! ...ne prend la peine de corriger, bien que... Entre nous, l'Autriche aussi ne me paraisse pas totalement fiable. Pour vous dire la vérité, Madame Potrouge, la question de savoir si la Terre est ronde ou plate, j'avoue que je me la suis souvent posée sans oser en parler. Pourquoi devrais-je être la seule à crier plate alors que le monde entier crie ronde? J'ai été la seule à crier sur Marco l'épicier parce qu'il vendait toujours des yaourts périmés. Et bien personne n'est intervenu. Ils sont tous restés là, sans broncher. Alors moi, ça m'a suffi. En ce qui concerne la Terre, j'avais décidé de ne rien dire. Mais maintenant que je vois que vous pensez la même chose, eh bien... J'admets volontiers ne jamais avoir été totalement convaincue par le globe. Globe. Je suis donc ravie d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui, comme moi, refuse tous ces... Tous ces... Vraiment, tous ces... Tout. Prenez la physique, par exemple. C'est vraiment... Non, je te vois. Et si on ne peut rien y comprendre, c'est parce qu'il n'y a rien à comprendre. Mon cerveau, lui, ne cesse de me répéter qu'il s'agit d'une vaste mystérieuse. Bien que je n'ai personnellement jamais étudié la physique. N'empêche qu'un jour, j'ai rencontré un physicien. Et il avait une barbichette et des yeux de filou. Or, moi, quand je regarde une personne droit dans les yeux, je sais tout de suite si elle est crédible ou non. En ce qui concerne ce physicien, je ne lui aurais jamais, jamais, jamais donné un chèque en blanc, si vous voyez ce que je veux dire. Le problème, c'est que pour des questions comme la forme de notre planète, des questions qui ne nous touchent pas directement, ou plutôt qui ne touchent pas directement notre porte-monnaie, nous faisons preuve de laxisme et laissons le champ libre aux imposteurs. Alors eux, évidemment, ils s'en donnent à cœur joie et clament haut et fort que la Terre est ronde. C'est exactement la même chose en ce qui concerne l'Australie. Mais c'est que... Voilà. En ce qui concerne l'Australie, j'ai du mal à vous suivre. Il s'agit tout de même de l'Australie. L'Australie. Mais je viens de vous expliquer que... Je ne dis pas que vous n'avez pas raison, seulement, vous comprenez... En terminer d'un coup avec un pays aussi vaste. Certes, c'est loin, l'Australie. Et ça a quelque chose de... d'un mythique, mais... Un mythe! Exactement. Un mythe. Tout n'est que mythe. Il est vrai... Il est vrai... Que les preuves, comme vous l'avez si justement souligné... manquent sérieusement d'objectivité. Mais si l'Australie... 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 n'existe pas... Elle n'existe pas! D'accord. Je suis prête à admettre que l'Australie n'existe pas. Cependant, vous avez aussi une idée tout concernant l'Autriche. Et là, je ne peux absolument pas être d'accord avec vous. D'abord, parce que l'Autriche est beaucoup plus proche de nous. Mais ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est que j'ai un cousin qui vit en Autriche. À ce qu'il dit. Certes. Mais ce n'est pas du tout le genre à mentir. C'est mon cousin! Qui? Part de mensonge. Il s'agit d'une confusion. Peut-être vous a-t-il dit autre chose. Et vous? Vous avez cru entendre le mot Autriche? Peut-être vous a-t-il dit qu'il avait vu des gros riches. Et vous? Vous avez compris le mot Autriche? Mais il vit en Autriche!
Potet vous a-t-il dit qu'il avait mangé de l'autruche? Quoi? De l'autruche? De quoi? De la volaille. De quoi? Vous savez bien, de l'autruche avec des plumes. Mais il vit en Autriche. J'ai un cousin qui vit en Autriche. Je peux même vous montrer les lettres qu'il m'a envoyées de là-bas. Inutile. Moi, ce que mon oncle ne me prouve rien du tout. Et
ravie de faire votre connaissance. Et excusez-moi de vous avoir dérangé. De rien, Madame Marcus. Eliaou est un excellent élève. Dites-lui de ma part que tout est potrouche. Je n'y manquerai pas. Je vous souhaite une bonne nuit.